Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique d'Inès TV. Je pense que mes vidéos vous font plaisir, mes analyses sont vraiment au niveau. Je salue toutes mes sœurs et tous mes frères des réseaux sociaux. Moi, je suis toujours là. Muyomba Yabatoto. Moi, on m'appelle toujours Muyomba. Noko Yabana. Je suis là pour défendre la valeur de la femme africaine, spécialement la femme congolaise. Je suis et je reste. Notre Cindy Lecœur a dit ceci. Je n'ai jamais sorti avec Fally et ça ne se fera jamais, ça ne se fera pas. La petite phrase là, le petit mot là, a fait troubler les putes de la communauté. Les pétasses, les prostituées de la communauté sont dans des troubles mentaux et n'ont pas compris le fait que Cindy est capable de dire non à Fally Ipupa. C'est ce qui dépasse la communauté. C'est ce qui est tellement au-dessus de toutes les femmes qui font les émissions. Cindy, c'est une femme de valeur. Une femme, quand on la voit à la télévision, c'est une femme qui se respecte. Même avant Kofi Olomide, c'est une femme, on voit ses vidéos, la façon de son comportement. C'est une femme qui vient d'une très bonne famille. Ce n'est pas une fille comme les Manuela Kitoko. Ce n'est pas une fille comme Karine Mokonzi. Ce n'est pas une fille comme Grace Mbizi. Toutes ces femmes-là, non, elle est tellement différente. Très bien éduquée. Selon vous, toutes les femmes qui viendront... selon vous, Fally est capable... Toutes les femmes sont capables de sortir avec Fally. Il n'y a aucune femme qui peut résister à Fally Ipupa. Selon vous, est-ce que ça fait du sens? Fally, c'est un être comme vous. Il y a même beaucoup plus de femmes qui ont dit non à Fally Ipupa. Beaucoup, il y en a beaucoup. Je peux vous citer les noms. Beaucoup. Même Nikki Menga, c'est elle qui a dit non à Fally Ipupa. Ce n'est pas Fally qui a rejeté Nikki. C'est Nikki Menga qui a rejeté Fally Ipupa. Donc Fally, c'est un homme comme toi, comme moi. C'est une personne qui a le sang. C'est une personne qui la bouche sang. C'est une personne comme tout le monde. Il brosse les dents comme tout le monde. On peut dire non à Fally. Le preuve en est que Cindy Lecœur a dit non. Si ça vous a gêné, vous les Waru, si ça vous a gêné, je m'en fous. La réalité est que Cindy a déclaré que ce n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera pas. Aouti Koloba Yango. Ce qui vient de vous dire, c'est que vous avez créé un langage, vous avez créé un pamba. C'est votre problème. La personne qui connaît Fally, c'est elle. Elle a dit jamais, ça n'a jamais arrivé. Fally même lui-même, il a eu peur. Puisqu'il sait que il n'a même pas le niveau de Cindy Lecœur. Lui-même, il a tweeté, il a dit, Cindy c'est ma sœur, ça n'a jamais arrivé. Il faut laisser les polémiques. Maintenant, pourquoi vous les voyez? Vous voulez exagérer les affaires. Vous voulez rester sur un sujet qui n'a pas de sens. La personne à qui on peut s'attaquer aujourd'hui, ce n'est même pas Maniké. Puisque Maniké, c'est une diambèse. On ne peut pas même parler d'une personne pareille. Moi, je veux toujours attaquer la femme Eliane Nitu. Eliane Nitu, c'est elle qui exagère les choses. Tout le monde, selon les informations que nous avons, il y a presque même un an, les gens savaient que Kofi Olomide était divorcé à sa femme Eliane, Ali et Alia. Mais ils sont restés des amis pour le bien-être des enfants. Pourquoi maman Eliane Nitu, elle a divulgué, elle a commencé à faire sortir les vidéos, faire des lives pour insulter Kofi Olomide? Pourquoi tu peux faire ça? C'est elle qui a commencé maintenant tous les désordres. Les Warriors sont là maintenant pour activer les insultes juste pour défier Kofi Olomide. Et maman Eliane Nitu, elle sait bien que les gens qui insultent Kofi Olomide, ce sont les Warriors de Fally Ipupa. Écoute, si vous doutez de moi, allez voir les commentaires de ceux qui font les commentaires sur les vidéos de maman Eliane Nitu. Elle incite à la violence, elle incite les gens aux insultes envers Kofi Olomide. Si maman Eliane Nitu, tu sais bien que
Kofi est divorcé, est bel et bien divorcé à Eliane et à maman Alia. Et puis tu sais que tu as dit que le divorce est là. Pourquoi s'attaquer à une personne divorcée? Il faut laisser Kofi vivre sa vie. Si c'est vrai que Kofi est divorcé, mais donnez-lui la chance de vivre sa vie en liberté. Je ne pense pas que Kofi a toujours été derrière maman Alia. S'ils sont divorcés, Kofi il vit sa vie. Si Kofi décide aujourd'hui de se choisir une femme, Cindy Lecker, où est le problème? Où est le problème? Il y a aujourd'hui la vidéo qui circule, Kofi a donné un bisou à Kissinger. Mais ça m'étonne de voir que les gens s'excitent et en train de citer que Kofi n'est pas normal, c'est un homme qui est, il n'est pas stable. Mais mes chers amis, vous ne voyagez pas. Vous ne voyagez pas. Il faut apprendre à voyager. Il faut apprendre à des cultures différentes. Les Arabes, ils se donnent des bisous sur les lèvres. Mais ce n'est pas tir langue, c'est les bisous sur les lèvres. Tu peux donner à ta maman un bisou sur les lèvres comme ça, ce n'est pas grave. Tu peux donner à ta soeur, à ton frère, ce n'est pas grave. Il y a des cultures. Si Kofi veut vous amener une culture, ça va vous choquer puisque vous ne voulez pas vous éduquer. Vous ne voulez pas vous ouvrir à des cultures différentes. Pour moi, j'en ai vu assez. J'ai vu les Arabes, les mondes musulmans, souvent, ils ont la tradition. Même dans la Bible, ils se disent, saluez-vous avec les saints baisers. Ce sont des bises, salutations des bises, des baisers. Ce n'est pas un péché. Tellement que Congolais, il n'est pas ouvert. Un Congolais, il n'est pas cultivé. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Tu divorces quelqu'un, tu es mauvais. Tu te maries à quelqu'un, tu es mauvais. Tu t'assois sur une chaise, tu es mauvais. Tu veux parler, tu es mauvais. Pour les Congolais, tout est mauvais. Tout est mauvais. Surtout quand c'est Kofi Olomide, Inosbi. Tout est mauvais pour ces deux personnes-là. Tout est mauvais. Les gens vont dire pourquoi tu es Makamboa Inosbi Nakachi. Oui, je vais le dire. Fali Poupa, il n'y a pas longtemps, il a serré la main à Kagame. Il a mangé avec Kagame au Sénégal. Ça n'a jamais été le problème, c'était normal. Mais Inosbi a fait une chasson avec un Rwandais, ça a créé le problème. C'était toujours le problème. Ici, vous les Wario, quand il s'agit de Fali, Fali peut tuer les gens, Fali peut aller au Rwanda, c'est normal. Quand Kofi va au Rwanda, c'est le problème. Fali peut tuer, c'est normal. Si c'est Kofi, ce n'est pas normal. Fali, il a fait affaire avec la sœur de Nana Ketchup. Fali a fait affaire avec une danseuse. Fali, il a fait beaucoup de dégâts, mais pour Fali, c'est normal. Mais regardez seulement les petites choses que Kofi fait. Makamounyo, c'est Mike que Kofi le fait. Ça fait débat. Même ça ici, où est le problème dans tout ça? Ou qu'est-ce que Kofi a fait? Kofi ne fait que défendre sa femme. Si, seulement si Cindy Lecker est sa femme. Mais tu dois défendre ta femme. C'est normal, il faut la défendre. Quand quelqu'un veut dire qu'il a couché avec ta femme, toi tu vas faire quoi? Quelqu'un vient et déclare que j'ai couché avec ta femme. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas poser la question à ta femme, n'est-ce pas? Mais la femme, si elle dément, elle vient, elle passe les réseaux sociaux pour démentir. Maintenant, vous les Congolais, vous, ce n'est pas... Si elle ne démentait pas, Bongaki Boloba, Abetaki. Mais quand elle vient, elle dément, vous dites que pourquoi elle se reproche. Vous les Congolais, vous devez apprendre à ouvrir vos cerveaux. Batou Ebele, Bazana Poto, mais ils ont amené les Congo avec dans les dos. Beaucoup de vous, beaucoup de Congolais ont amené les Congo dans leur bag, dans leur sac à main, dans leur sac. Tout ce qu'il faut, c'est du Congo. Tout ce qu'il faut, c'est du Congo. La façon dont ils parlent, ils sont venus du Congo, ils ne travaillaient pas. Arrivés en Europe, ils ne veulent même pas travailler. Ils veulent amener toutes les cultures, les traditions mauvaises là. Ils veulent amener ça partout. Vous devez savoir à vous intégrer dans des sociétés et puis comprendre comment la culture marche. Osan en France, tu es en Belgique, tu es en Europe. Mais quand on te pose des questions sur la France,
tu ne sais même rien. Tu ne sais pas comment la politique française marche. Tu ne sais pas comment le système français fonctionne. Mais tu vis en France pendant plus de 10 ans. Tu es en Angleterre pendant plus de 20 ans. Quand on va te poser des questions dans l'Angleterre, tu vas dire, ah, Bisson à Congo, tu as la caboité. Mais toi, tu veux amener le Congo en Angleterre. Mais tu ne vas pas réussir en Angleterre. Si tu veux vivre en Angleterre, il faut savoir marcher comme les Anglais. Il faut savoir parler comme les Anglais. Il faut savoir t'intégrer, comprendre le système, comment ça marche. Maintenant, si tu as un Congolo, tu as un finger. Tout ce qui insulte Kofi Olomide, tout ce qui insulte Maman Alia, tout ce qui insulte Cindy Lecker, majorité sont en Europe. Majorité sont en Europe. Il faut les vidéos plus de 4, 5 fois par jour. Ils sont en Europe. En train de sauter. Il est là donner bisous à qui, Signor. Donner bisous à qui, Signor. Toi, tu lis la Bible, ça dit Saint baiser. Donnez-vous le Saint baiser. Même la culture, ce n'est même pas la Bible. Les gens qui ne lisent pas la Bible. Il y a la culture arabe. Les gens se donnent les bises sur les lèvres. Tu donnes à papa, tu donnes à ta maman, c'est normal. Mais pour vous les Congolais, tellement que vous avez grandi dans une dictature farouche de Mobutu. Vous avez continué jusqu'à aujourd'hui à vous accroupir dans la dictature, dans la crainte. Pendant que vous êtes libre il y a longtemps, vous êtes en Europe. Bon, ça, c'est un système archaïque. Mutopesi mutubize est un problème. Moi si naé Cindy Lecker ezalaki wana, elle n'a pas vu ça mauvais, mais toi tu vois ça mauvais. Nakosuki sana boye toujours. Maman Alia. Maman Eliane Nitu. Tu sais bien que Maman Alia, c'est une femme très réservée, qu'on doit du respect, beaucoup de respect envers elle. Toi tu l'as amenée sur les réseaux sociaux. Les insultes, les injures qu'elle va subir. Tu seras responsable, toi tu es responsable de ça. Puisque aujourd'hui là on ne l'appelle plus Maman Alia, on l'appelle seulement Alia. Ça c'est déjà à cause de toi. Aujourd'hui quand elle commence à danser, tu mets des vidéos de danse. Vous voulez la faire comme si c'était Nana Ketchup. Maintenant vous la remettez dans des bassesses, une femme qui était élevée. Vous la descendez seulement dans la boue comme ça, Maman Eliane Nitu. Tu réfléchis comment? Juste parce que tu veux des baisses, tu veux les gens qui vont te regarder, tu veux les gens qui vont t'appeler pour les lives, tu veux détruire la vie, le respect de toute une femme qui a construit sa carrière dans des respects. Mais elle a toujours été respectée. Mais toi, tellement que tu veux les views, tu veux l'argent de YouTube, c'est ça la monnaie de singe que tu veux payer à la famille là. Tu penses que tu fais du bien. Tu penses que tu parles bien, mais tu parles, tout ce que tu dis, c'est à ton avantage. Maman, c'est à ton avantage. Ce n'est pas l'avantage de Maman Alia, c'est ton avantage. N'oublie pas que derrière Maman Alia, il y a les enfants. Les enfants risquent d'être traumatisés à cause des insultes, des injures envers leur maman. La fille là, Didi Stone, qui fait la fierté de la famille. Aujourd'hui, penses-tu qu'elle est contente de voir que les gens insultent sa maman? Sa maman en train de danser à public et puis tu jettes de telles vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis elle est en train de chanter des choses, des jetons. Une femme soi-disant qu'elle est divorcée. Et puis c'est elle qui commence à faire des jetons. C'est comme si elle est jalouse. Elle est jalouse. C'est comme si elle est blessée moralement d'écouter de telles choses. Est-ce qu'elle est jalouse de Cindy Lecker? Est-ce qu'elle n'est pas contente de voir Kofi Olomide commencer une autre vie amoureuse? Ce sont des questions maintenant que les gens vont se poser. Et je mets ma main à couper, tu vas voir. Les gens vont faire des analyses. Ça va prendre même un mois. N'oublie pas que Fally Poupa a passé dans la même chose. Ça a fait presque un an. Jusqu'au jour, ça continue. Plus de un an, ça continue. Depuis 2021. À quelque chose, malheur est bon. Mais malheur est aboyé, et sa bonté pour la maman à biso Ali. Malheur est aboyé, et sa bien-être pour la maman Ali. Kofi a pesi biso ebele, a pesi biso mwana ou aza komema drapo na biso musika.
biso ba congolais tozo ape sens ya respect sens ya amour tozo ape sens ya ba responsabilité na ba maloba toza koloba mwana mwasi oyo akubani makambo oyo ayebi ndenge internet etambolaka mama ali eliane nitu ayebi ndenge internet eza kotambola eloko muke ezo mema eza kobebisa reputation ya mutu lelo falia ki kotambola te lelo nana ketchup akoma eloko moko boya bakoma kobenga ye gomoro bakoma kobenga ye tomate azwa bakomo kaka pona ba delire pamba pamba soki lelo mama na biso rifa abimi akomi koloba seke elle en a mal d'après tout elle sait que maman wana aza se meki na ye a vie a maman wana aza na bana aza tata tata mwasi ya bana ya mama alia soki lelo ye koloba c'est parce que boza ko blesser bo komi ko finga ko fiolo mide a public boza ko finga ko fi sans même ko passer na personnalité na ye boza ko finga ko fi sa boza ko boza na kaza ambassadeur boza ko finga ko fi boza ko soit disant qu'il a divorcé mais pesa ye liberté na ye aza na droit ko vivre vie mususu même chose que maman Alia aza na droit ko vivre vie mususu elle ba komi ko finga sika maman Alia elongi na ye za bete a part ba mascara est-ce que boza mona ngo elengi ba na zo natali na landi be ba video il y a déjà qui se moque d'elle comme ça. Bon, ça confirme Cindy Leke. Cindy, c'est une très belle femme qui n'a jamais mis des produits pharmaceutiques, les produits, je sais pas, crème. Elle n'a jamais mis ça sur son corps. Elle est naturellement belle. Elle coupe ses cheveux, elle est toujours belle. Quand elle met des plantes, elle est toujours belle. Et ça, elle se voit comme si elle est une femme vraiment qui est serviable. Bah, tu es belle, bah, ça. Il y avait un moment donné que Cindy Azalaki n'a pas ni na répétition ni na makambunyos. Kaka biso tolobaki que Cindy Azanazimi, Cindy Aboti, kaka ble congolais. Mais lelo baboy kolakisa mwana bozako loba lisusu Cindy Abotakati. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous amenez comme message aux gens? Boza kolala bolamuki bolobi lelo boy. Lobi bo changer bolobi makambo mususu. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que vous déroutez les gens de tout? Vous désorientez les gens de n'importe où? Je ne comprends pas vous les Congolais. Bolobaki Cindy abota zaki na zemi aboti. Lelo boza kobenga kisita. Vous ne vous voyez pas que boza ko sambrier. Et puis il y a les gens qui sont intelligents. Bangonde baza kolanda. Ozoko baza commenter que ah loba boye. Ça y est, toleka. L'intellectualisme congolais dans la base, dans la bassesse. L'intellectualisme congolais dans l'ignorance. Ce qui m'a dit que le comment devenir riche, comment protéger le foyer, bilo ko na botala kayangote. Mais manika memi bêtise kaka. Tala ndenge bato basopani na bilo ko boy. Ça montre que les Congolais ne veulent pas. C'est pour ça que le lobbying des Congolais est mouqué. Ils ont zéro na poto. Parce que les Congolais ont se baigné à côté de la bêtise. La communauté a mouqué. Ba évolué. La communauté a mouqué. Ils ont lobbying na poto. Au moins, ils ont Madagascar. Ils ont lobbying na France. Mboka mouqué. Lobbying na France. Mais ils ont payé mon local à Congo. Lobbying est exactement mutoyé, à comme ils constatent la manufacture, na ba entrepôt, au lieu à couiller ba nenga kusaka na nambongo à gérer mbongo, à côté na ba bêtise ya ba mat ya ba maniké, à côté na bêtise, à zoko kapé ko gérer foyer, mutoana ga dim, c'est le langa boy, dis, mais au juste, au veut quoi vous, nous les Congolais, au veut quoi? Une personne comme Koffi Olomide, osa ko manquer de respect. Au profit à mutu lokola maniki. Ça montre que éducation nous a raté. Ça montre que éducation nous a eu isa pena ya kukufa. Naza koloba, mais oya asana matu ya koyoka. Je pense que asa ko comprendre ngai. Si ko comprendre nga, tiens un commentaire, like vidéo, partage na oyango kusala le côté. Si ko pena no s'abonner, abonne-toi et kusala bien.
Bye.